Salut à tous, c'est Dorian. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cardio training. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. 5 exercices à faire, 3, 4 ou 5 tours. On fait l'échauffement en montrant les exercices. Et derrière, c'est parti. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on est chaud pour se faire du bien. Allez, c'est parti. Exercice numéro 1. Vous êtes tous à connaître. Squat, squat, pied largeur bassin. On va venir pousser les fesses vers l'arrière, le poids sur les talons, le centre sur les talons. Voilà, là nous sommes en position squat. Et quand on va remonter, hop, on va faire un petit saut, ce qu'on appelle les squats sautés. Ok, on en fait quelques-uns. Option 1, pointe de pied, pour ceux qui ne peuvent pas sauter. Ok, descend, tac, pointe de pied. Et sur les squats, on pense bien, c'est bien les fesses par derrière, les genoux ne dépassent pas les orteils, et quand on remonte, tac, sur les pointes de pied. Ok, on en fait 4-5 histoire de s'échauffer un peu. Allez, là on va avoir des fesses en béton. Allez, voilà pour l'exercice 1. Exercice 2, montée de genoux. On va travailler un petit peu le cardio. Montée de genoux. Voilà, plus ou moins haut, on n'oublie pas de céder des bras, ok. Et voilà. On rapproche le bras. Pour ça, encore une fois, qui ne peuvent pas sauter, et bon, on reste là, on saute pas, on monte les genoux. Bien sûr avec les bras. Jambe droite, bras gauche, bras droit. Et voilà, tac, tac. Allez, on en fait un petit peu. Ça, ça va faire monter le cardio. Hop, hop. Hop, on reste bien gainé, le ventre bien serré, la fermeture jusqu'au nombril, et parfait. Montez le genou pour l'exercice 2. Exercice 3, vous connaissez, la chaise. Voilà, on va en train de travailler un peu les cuisses. Tac. Donc la chaise, les genoux juste au-dessus des talons. On reste bien droit, on regarde devant. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez mettre les mains sur les genoux pour vous aider. Et pour ceux qui sont vraiment très 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 forts, vous pouvez relever les orteils. L'option plus difficile, c'est l'option de base. 30 secondes de chaise comme ça, c'est parfait. Ça, c'était pour le troisième exercice. Quatrième exercice, on passe au sol. Pompe, chien tête en bas. Je vous explique. Une pompe, donc sur les genoux ou sur les orteils, moi je monte sur les genoux. Donc on vient bien mettre le poids sur l'avant du corps. Voilà, on va venir descendre en pompe. Et quand on remonte, on va étirer la chaîne postérieure, donc le dos principalement. Et on va venir faire la pose de l'enfant comme ceci. D'accord? On revient. Quand on revient, on pense bien à remettre tout le poids du corps vers l'avant. Pompe. Pompe. Voilà, après vous gérez pour l'intensité. Quand vous êtes là, vous devez bien sentir que ça vous tire sur tout l'arrière du corps. Pour ceux qui sont à l'aise, on se met sur la pointe de pied. Une pompe, toujours la même chose. Tac, c'est bien le corps qui descend, on reste droit. Et quand on est là, on va venir faire le chien tête en bas. Ça veut dire qu'on va pousser sur les bras et on va venir essayer de toucher le ciel avec nos fesses. Tac. Et voilà, et là comme ça, vous devez sentir que ça étire bien tout le dos. Et bien tout l'ischio et l'arrière des cuisses. C'est bien le talon qui vient essayer de toucher le sol. Ok, on refait. Pompe, chien tête en bas. Et voilà. Tac. Voilà. Et pour ceux qui veulent, bien sûr, sur les genoux. Tac. Pose de l'enfant. Sur le genou, et quand vous êtes là, vous pouvez quand même vous remonter et faire le chien tête en bas. Voilà, plusieurs variantes possibles. Là, c'est à vous de voir, mais quoi qu'il arrive, on va faire pompe et étirement. Et le dernier exercice, on reste au sol. Je me relève, mais c'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Et là, ça va être notre gainage, bien sûr. Hop, gainage. Donc, encore une fois, sur les genoux, si vous voulez, vous mettez le pot du corps vers l'avant. Là vous êtes en position de gainage. On serre les fesses, on contracte les abdos et on va venir toucher ses épaules.
tape l'épaule. Et voilà. Pendant 30 secondes, on va taper les épaules. Ceux qui sont à l'aise, bien sûr, vous vous mettez sur la pointe du pied. Tape l'épaule. Surtout, le bassin ne doit pas bouger, d'accord? Vous devez être verrouillé, droit, et c'est juste les mains qui viennent bouger. Bien sûr, si c'est trop compliqué, vous restez en position planche normale. Et ceux qui veulent sur les genoux, bien sûr, le poids vers l'avant, comme pour les pompes, et on ne bouge plus. Et là, on serre les abdos, on serre les fesses, et ça sera parfait. D'accord? Donc, les trois premiers exercices sont un exercice plus plutôt basé sur le bas du corps, et ensuite, plus sur le haut du corps. Ok? Ouais! Vous êtes prêts? Ouais! C'est parfait, on part maintenant pour les squats sautés. 1, c'est parti! Allez, 30 secondes de squats sautés. Allez, courage à tout ça! Même mon tapis fait les squats sautés. Allez, tac! Allez, encore 10 secondes. On s'applique bien sur les squats. Hein. On contracte bien la ceinture abdominale. On reste bien placé. Top, repos. En fait, j'ai oublié de vous dire. Mais bien sûr que votre gourde est là avec vous. N'hésite pas, elle est finie à la fin de la séance, hein, la gourde. Allez, 10 secondes, on va partir en chaîne. Je peux vous dire qu'après cette séance là, vous allez avoir des fessiers. Oh, montez de genoux. Montez de genoux. Pardon, allez. 30 secondes de montée de genoux. On s'aide bien des bras. Là, on travaille la partie cardio. Allez, allez. Ceux qui ne peuvent pas, on saute pas, on reste sur place. C'est bien des bras. Allez. 1. On se repose. Côté comme ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire.
On reste bien droit, on reste bien gainé, le ventre bien serré. Et pour ceux qui veulent, on se met bien sûr sur les genoux. Et sur les genoux, ça fonctionne aussi. Là, vous devez sentir que ça travaille tout pareil. C'est important. Premier tour. Vous voyez, ça passe tout seul. Ça passe tout seul parce qu'on est heureux d'être là, on est content d'être là. Et ça se passe très bien comme ça. Hop, attendez, juste un petit truc. Voilà. Vous êtes prêts? 5 secondes, squat de sauté. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Allez, allez, bien, prends bien son temps, bien son poids sur le talon, avec, bien, vers l'arrière, allez, 2, 1, stop, repos, 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez, 30 secondes de montée de genoux. Ça doit vous réchauffer, ça. Allez, allez, courage. On reste bien grand. Je vous rappelle pour ceux qui ne peuvent pas sauter. Restez sur place. Allez, 3, 2, 1, repos. C'est bien, on respire. Après l'exercice de cardio, on met un exercice de chaise pour pouvoir récupérer au niveau du cardio. Alors bien sûr, ça va brûler les cuisses, mais on n'a rien sans rien. C'est bien. Allez, dans 5 secondes pour la chaise. 3, 2, 1, chaise. Il y a du monde à côté qui veut venir s'asseoir sur vos jambes. Ne vous inquiétez pas, normalement la chaise elle est pas bancale. Vous allez bien? Ouais! Ça tombe bien parce que c'est le deuxième tour. Il en reste encore trois derrière. Aujourd'hui, j'ai que des champions. Personne qui s'arrête après. Au moins. Quoi. Allez, 10 secondes, je vous rappelle. On chien tête en bas. On alterne les bras et les jambes. 1, allez, c'est parti! C'est vous qui gérez votre intensité si vous les mettez. En plus, vous attendez. Vous pouvez. Vous voyez, le chien c'est en bas. Les talons vont venir ici se poser au sol et les fesses vont partir vers le haut. Ah.
regardez au sol, la tête dans la continuation de la colonne vertébrale. Deux, un, repos. Fin du deuxième tour. On attaque le tour numéro 3, ok? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu de s'arrêter à 3. Si c'est le cas, pas de problème. Mettez un peu d'intensité. Donnez tout sur les derniers exercices. Faites ça bien. Essayez de prendre l'option un peu plus difficile si vous pouvez. Et voilà. Essayez de dire qu'il en reste encore un derrière et qu'arriver à 4, c'est vraiment bien. Vous êtes prêts? Squat de sauter. 1, c'est parti. Allez, et avec le sourire, s'il vous plaît. En bas. 2, 1, allez, regardez. Moi je suis sur les genoux là. Bon, je replante la pointe des pieds et je fais chier tête en bas. Allez, courage. Tape épaule et on sera déjà à la fin du troisième tour. Voilà, vous avez vu comme ça passe vite. Pas le temps de dire au coup que on est déjà plus de la moitié. En tout cas, je vous remercie de me suivre chaque semaine sur mes entraînements. J'espère que ça vous plaît. Ça sera bénéfique pour vous. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Gainage, tape épaule. Allez,
2, 1, repos. Fin du troisième tour. Allez, on récupère, on voit un peu, on part sur le quatrième tour. Allez, courage à tous, on peut y aller. On peut y arriver. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous devez maintenant être capable de commencer le quatrième tour et de l'enchaîner. On commence à se connaître. Squat sauté. 1. Top. Allez. Allez. Positif dans la tête. C'est une musique ça. Allez, allez, 1, repos, on respire, on est sur le quatrième tour, tout va bien, allez on se donne, on donne tout, allez, 2, 1, c'est parti. Montez le jeu, 30 secondes. Allez, on essaie de monter les genoux un peu plus haut pour ceux qui peuvent. Allez, on met de l'intensité, on y va. Si vous ne pouvez pas sauter, je vous rappelle, vous restez au sol. Ça n'empêche pas de mettre de l'intensité. Allez, allez, allez. 5 secondes encore, allez, courage. 1, repos. Les filles vont s'en aller. Il ne faut pas faire assez de sport apparemment. Et il veut s'en aller. On respire, on part sur la chaise. Allez, 30 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti pour la chaise. Allez, dans 8 secondes, on part pour une pompe et un chien tête en bas. 2, 1, et c'est parti. Ce qui est bien c'est, sur cet exercice là, c'est qu'on travaille vraiment deux choses différentes. On travaille des pompes, donc soit les pompes serrées pour les triceps, soit un peu plus élargies pour les pectoraux, et on enchaîne avec un travail de mobilité et d'étirement sur toute la chaîne postérieure. En repoussant, on va venir étirer le dos et les ischios. Ça c'est super important. Allez, dans 5 secondes. Pour le gainage, tape épaule. 1, allez c'est parti, allez courage, fin du quatrième tour. Allez, on lâche plus maintenant. On est des guerriers. Allez, 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 5 secondes.
Quatrième tour. Allez, allez, vous êtes tous à fond. Si vous êtes essoufflé, que vous avez mal aux jambes, que vous sentez que vous ne pouvez pas repartir, alors félicitations à vous, vous pouvez vous arrêter là pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui sentent qu'au fond, ils peuvent encore y aller, c'est juste qu'ils osent pas, ils ont un peu peur. Non, allez-y, venez avec nous, on est là pour le cinquième et dernier tour. Et on est solide. Squat sauté dans 2 secondes. Allez, 1. Allez, c'est parti. On enchaîne, c'est le cinquième et dernier tour. Courage à tous. Il reste 2 minutes 30 de travail. Et on a le sourire en plus. Terminé pour les squats aujourd'hui. Super. On enchaîne. Montée de genoux. Dernière 30 secondes de montée de genoux. On n'hésite pas. On met des bras. On met de l'intensité. On lève les genoux plus haut. On surpasse. On sort de sa zone de confort. On y va. Allez, courage à tous. Allez. 5, 4, 3. Allez, c'est parti. Dernier exercice cardio. On reste grand, on ne se lasse pas. Allez. Allez, allez, courage. Allez, 10 secondes. Allez, allez, on donne tout. On accélère, allez. 4, 3, 2, 1. On respire, on boit. Plus que 3 exercices. Allez, courage à tous. Ah. Allez, 5 secondes, on part pour la chaise. Allez, c'est super. Allez, c'est parti. La chaise, je vous rappelle. Les genoux bien au-dessus des talons. Même si on est plus haut, les genoux restent au-dessus des talons. Ceux qui sont à l'aise, on se met à 90 degrés, on perd loin devant et on souffle bien. Allez, courage. On peut lever les orteils et rester sur les talons. Allez, allez, allez. Allez. 2, 1, repos. Parfait, plus que 2 exercices. Allez, courage. Allez, 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 allez. Terminé pour les pompes, on reste 8 de gainage. Aujourd'hui c'est un cours bien bien complet. Vous voyez le gainage, toujours le gainage, je vous rappelle, petite fermeture qui remonte jusqu'au nombril. On aspire le nombril. Ok, on va le rapprocher de notre dos. Pas de dos creusé, pas de dos rond. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. On ne bouge pas, le ventre est bien serré, ça ne bouge pas. Tout à l'heure on a fait la chaise, bah là on est en table. Voilà. Vous pourrez poser une assiette sur vous que ça ne bougerait pas. Allez, dernier exercice, courage. 15 secondes. Allez, allez, 5 secondes. Allez. 1. Exercice.
Et séance terminée. Bravo à tous. Génial. Allez, on boit un coup. Franchement, félicitations à vous. Encore un très très bon coup aujourd'hui. On va faire 2-3 étirements pour faire un petit retour au calme. Avant de bien profiter de notre journée. Parce qu'on l'a bien mérité. C'est encore bien dépensé aujourd'hui. Et franchement, chapeau à vous. Vous avez fait 3, 4 ou 5 tours, vous êtes allé au bout de vous-même. Et c'est ce qui est super important. On a bien travaillé. Maintenant, on fait du bien à notre corps. Ok ? Allez, on va venir s'étirer le quadriceps. Donc, là, ça va. C'est le bassin qui vient. Vous avez un verre, vous pouvez le découvrir. On relâche. On va venir toucher droit en haut. On inspire. On expire, on relâche tout tranquillement. Voilà, vous sentez que l'arrière de votre corps est complètement relâché. On va revenir tout en haut. Voilà, on prend une grande inspiration. Et on relâche. Voilà. Applaudissez-vous. Allez. Tout le monde s'applaudisse, franchement, félicitations. Vous avez encore fait une très très belle séance aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé encore un merveilleux moment avec vous. Donc voilà, votre corps me dit de vous dire merci. Alors merci à vous, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, passez un très 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 joyeux Noël. Voilà, c'est les fêtes, mais c'est pas une raison pour arrêter le sport. Je compte sur vous, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Ciao.